Nous vous présentons nos salutations d'abord. C'est le collectif du personnel, les agents municipaux de la commune de Fermassa, qui fait une déclaration liminaire par rapport aux incidents qui sont passés, qui sont déroulés ici dans cet hémicycle. Donc permettez-nous d'abord d'exprimer, au nom de ce collectif du personnel de Fermassa, nos remerciements pour avoir voulu répondre à notre invitation. Dans la nuit du dimanche, comme vous le savez, 26/7/2020, à 22h30, des vandales constitués de marchands ambulants et voyous lourdement armés, violant les arrêtés du préfet et du maire portant interdiction de toute activité commerciale autour du rond-point, ont attaqué l'hôtel de ville de la commune, causant d'importants dégâts matériels ci-dessus énumérés. Le saccage, le vol de documents administratifs et matériels informatiques, des bureaux du service social de l'enquête domaniale et des services techniques tous incendiés, mis en sac du hall du bâtiment administratif complètement brûlé. Fort de ce constat récurrent, le collectif du personnel de la commune de Fermassa condamne avec la dernière énergie cet acte de barbarie perpétré par une violence inqualifiable. Informé par les autorités locales, des forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux pour sécuriser le restant des biens et documents qui ont échappé à cet incendie. Cependant, cette action de sécurité n'a duré que 24 heures et replace ainsi le personnel et notre outil de travail dans une insécurité totale en l'absence de toute protection. C'est d'ailleurs ce qui a permis à des malfaiteurs de cambrioler le magasin de stockage et même d'emporter le reste du matériel mis à l'abri dans une salle le 2 août 2020 aux environs de 13h30. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État du Sénégal de venir nous protéger, nous, travailleurs, de protéger et sécuriser notre lieu de travail, qui est un démembrement de l'État exerçant une gestion de proximité du service public. Nous tenons à revenir dans ce lieu de travail, dépourvu de toute protection au risque cette fois-ci de perte des vies humaines, dès lors que certains de nos collègues ont subi des menaces. Le personnel municipal s'associe au maire, au conseiller municipal et à tous ceux qui, comme l'association des maires du Sénégal AMS, se sont indignés de ces agissements et exigent que force reste à la loi et que les auteurs de ces actes de vandalisme soient identifiés et traduits en justice. En outre, nous rappelons au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire la promesse d'instruire les services de l'AGTIP lors de son passage ici pour constater les dégâts qui avaient prévalu pour la réhabilitation du bâtiment de la commune afin qu'il soit remis en état de fonctionnement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vous réitérant encore une fois nos remerciements, nous restons attachés au principe de justice et nous engageons à faire de notre mieux pour que notre territoire redevienne une commune sûre et où il fait bon vivre. Je vous remercie de votre attention. Nous avons fait des dégâts et des violences que nous avons fait. Nous avons fait des morts d'Italie. Nous avons fait des idées, des idées. Nous avons fait des états qui ont été faits parce que l'État a fait la souveraineté, la sécurité. Donc nous demandons à l'État d'aller à ce que nous avons tous les bonnes volontés, les enfants qui ont été faits, d'aller à la maire, d'aller au conseil municipal, d'aller à l'AMS. Pour wax ndega ñun ñepp ñi ñaaw ñu affaire bobu di taxaw pour demander état bu ñew taxaw ñu jappal ñu pour que suñu institution bi ñu sécuriser ko pour que aussi travailler ñu sécuriser le parce que ils sont tout le temps sur le terrain et ils ont reçu des menaces té dañu dem ci terrain pour des recrutements ay recrutements yi xaas lañuy jël xaas bobu mo moy permettre mais du mu def ay liguey xaas bobu nak suñu ñu def ci terrain bi parce que ils ont été violentés bu boba commune bi da fay nek en déficit té bu boba travail bi dootu am solo parce que so munta andi dara ci biir commune bi pour wala fay ko do ko fay bu boba le travail n'est plus sécurisé. Donc nous demandons état vraiment en ce qui nous concerne mu jël toutes ces mesures. Ñi wax ne que le ministre de l'aménagement du territoire ñew na fi don ñu metti lu li nga xamni dal nañu bu ñew aussi constater état de délabrement bâtiment bi dafa wax ne dina instruire les services de l'AGTIP pour que ñom ñu ñew dans les délais les plus rapides pour que ñu xol nan lañu réhabiliter li nga xamni mom moy local bi pour que ñu mëna del soit ligue bi parce que tay ci bo gisé bu reuy fi dañ ko condamné kenn mu fi dugg parce que wuur bâtiment bi ñu taxaw di wax ak yeen ni dafa lak lak bo xamni wuur amul ben expert bu ñu wax lañu degré de dégradation bi fi la toll ba nga xamni tay ci sa tank su fi amé nakar xeyna wala mu am ci sabane
que sa responsabilité entière là, parce que déjà nous avons le bâtiment où il y a beaucoup de fois. Donc vraiment, il y a une autorité, en tout cas, une agent, lui, son outil de travail, de lui permettre, parce que soi-disant, un commerçant, parce que soi-disant, nous dans ces données, nous avons dit son outil de travail. Nous filons son outil de travail. Nous ne pouvons pas pour Massamba et Madame Moulet pour l'administration du Sénégal. L'administration du Monifitec, nous avons appelé à ce qu'elle dit, nous avons appelé à ce qu'elle dit. Donc, nous avons appelé à ce qu'elle dit. Nous avons appelé à ce qu'elle dit. Nous avons appelé à ce qu'elle dit pour défendre son institution du Sénégal. Donc, nous avons appelé à ce qu'elle dit. 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 Nous avons appelé à ce qu'elle dit.